Le gaming est sa passion, bienvenue chez Keke Spy Knight. Viens relâcher la pression, plein de jeux y compris Fortnite. Lâche au pouce bleu ton GG, abonne-toi à suivre son parcours. Membre de la team MPG, en live quasi tous les jours, V de Strime. Salut la team, c'est Keke. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo pour deux ouvertures. Donc une ouverture d'un petit pack de Zenith Supreme qu'on peut voir là, hein. Donc dedans il y a comment la méga carte, donc régie liquide V, la petite carte régie liquide V, et il y a régie dragon pardon, et 4 boosters de Zenith Supreme plus une petite boîte métallique Mutisma. Moi je vais vous montrer ça de plus près, là on voit pas trop, mais voilà le petit pack de Zenith Supreme. Voilà. Alors, est-ce que ça donne de plus près? Voilà. Tac. C'est un beau pack. Hein. Hop. Et la petite boîte métallique de. La petite box. Une petite box de. De comment? De Mutisma. Avec Mutisma V à l'intérieur. Et puis. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je vous remonte une dernière fois. Tac. Même les Zenith Supreme, hop, voilà. Donc les Zenith Supreme, c'est, j'avais que ça. Donc les trois box de l'autre jour de Articodin, Elector et Sulfura de Galar, et que dedans il y avait des boosters de Zenith Supreme, et là juste le pack là de Zenith Supreme, et voilà tout simplement quoi. Bon, on va commencer par ouvrir la box, on terminera par Zenith Supreme après. Vu que j'ai plus de pochette plastique en une seule, j'ai récupéré ça. En tout, j'avais 10 pochettes, donc 10 pochettes de classeur. Donc ça, c'est les deux que j'ai là. Ce sont un peu comme une reverse que j'avais eu le jour dans les box de Articodin, Sulfura et l'étoile de Gala, hein, dans les Zenith Supreme. Donc ça, au fur et à mesure que j'aurai des rares, tout ça, et ben je vais les glisser dans les pochettes là. Et cette pochette là, c'est pour qu'on va ouvrir la box de Mutisma. Et voilà, tout ça pour manger. J'ai encore d'autres pochettes comme ça. Et ça, c'est les pochettes qu'on met dans les classeurs. Il y a des trous et tout sur le côté pour qu'on ait un classeur, voilà, qu'on fasse comme ça, un peu comme des pages de livres. Donc voilà, donc. Comme ça, moi, c'est pas abîmé, c'est là-dedans. Voilà, bon, avant d'ouvrir Zenith Supreme, on va ouvrir la petite box Mutisma. Donc, c'est parti. Let's go. On va enlever ce qu'il y a autour. Voilà. Hop, je vous montre de plus près. Voilà. C'est une très belle box. Très, très belle box. Il y a même un galam sur le côté, là. Voilà, Mutisma sur le côté, même un Giratina, voilà. Trop belle, tac, excusez-moi pour la luminosité, pardon, parce que là, je suis dans la chambre d'amis, et bon, il y a de l'éclairage, hein, mais voilà, c'est la lumière du plafonné, donc voilà, mais on voit quand même ce que je présente. Et voilà, donc c'est principal. Donc on va ouvrir cette box. Hop. Ah ouais, trop bien j'aime bien les petits carreaux comme ça. Ok, donc on ouvre ça. Ah, c'est des origines perdues, ok. Ah ouais. Et donc là, il y a la carte. Code online, donc je vous donne le petit code. Hein. Voilà. Et la Mutisma V. Qui est très très belle, donc. On va commencer à la mettre dans la pochette en plastique pour pas l'abîmer. Voilà, tout simplement. Tac, voilà. J'ai commencé à la mettre dans la pochette plastique. Ok. Et là, on a nos boosters. Donc, origine perdue qu'on n'a pas encore ouvert sur la chaîne. Donc, on a origine perdue avec Giratina, origine perdue avec. Comment ça s'appelle? Gardevoir Shiny,
Et oh, on a du point de fusion. Ah ouais, point de fusion avec Mew et du point de fusion avec Genesect. Ah ouais, donc on a deux origines perdues et deux points de fusion. Ok, ça marche. Je savais pas ça. D'accord, ça marche. Bon, on va ouvrir ceci. Voilà. Donc le point de fusion qu'on a déjà ouvert sur la chaîne, il me semble. Non, je crois que je donne des points de fusion, je n'ai plus en réserve, je crois. Mais des origines perdues, on n'a pas encore ouvert sur la chaîne. J'en ai plein en réserve à ouvrir, qui est dans le placard juste derrière moi. J'ai encore plein de cartes Pokémon. J'ai même les toutes récentes, les cartes et violettes, mais ça, on l'ouvrira quand j'aurai fini d'ouvrir les anciennes, tout ça. Et les anciennes séries, tout ça. Mais les points de fusion, moi, je crois que. En réserve, soit j'en ai plus. Plus tard, on ouvrira les origines perdues qui j'ai encore plein en réserve. Et voilà, tout simplement. Donc, on va déjà ouvrir les points de fusion et on terminera par les origines perdues. Donc, voilà. Tout simplement. Allez. Donc, points de fusion. On va aller voir ce qu'on a. Non, les points de fusion. Allez. Tac. Donc le petit code online. Qui est juste là. Voilà. Tac. Allez. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Allez, on commence avec un feuille à joues. Trousselin. Moumouton, Pandespiègle, Darumaron, Énergie Obscure, je crois, Boumata, Énergie Point de Fusion, Cocombaf, Corayon, Corayum, pardon, c'est la formule de Corayum de Galar, hein. Donc Corayum, oh, j'ai du mal à le dire. De Galar, un peu comme une reverse, et en rat, nous avons Tarambule. Ok, bon, ça commence doucement. Ça commence doucement. Votre point de fusion, hop, allez, Genesect. Voilà le petit code online. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Donc on commence avec Escargot, point de fusion. Ok. On a Rototaupe. On a Sapeuraud. On a Gobou. On a Chenipan. On a Énergie Plante. On a Darumachaud de Galar. On a Hexadron. On a Feuilleton. On a Kalinos, un peu comme une reverse. Je vois que ça brille derrière. Et en rat, nous avons. Ah non, Serpent, point de fusion, non. Je suis trompé, ça n'a pas brillé d'ailleurs. J'ai cru, mais non. Alors, alors, attendez que je trouve. Là, c'est bien ce qui me semblait. Et là, on a son évolution. Voilà. Tac. Ok, non. Voilà pour les points de fusion. Tac, on va leur mettre un petit Zelastoke. Un petit Zelastoke. Tac, tac. Hop, on va mettre. Voilà. Pour qu'on sache que c'est les points de fusion. Hop. Hop, 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 hop. Tac. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, comme ça. C'est que c'est la série Point de Fusion. Allez, maintenant on ouvre les origines perdues. C'est la première fois qu'on ouvre sur la chaîne les origines perdues et ce sera pas fini parce que, comme je vous l'ai dit, j'en ai encore plein derrière moi dans mon placard des origines perdues qu'on ouvrira plus tard. Donc voilà, mais au moins on aura déjà fait un petit début avec les petites boxes de Motisma. Donc voilà, on va commencer. Voilà, j'ai envie de commencer par Gardevoir Shiny. Comment on va avoir une petite carte shiny, hein, peut-être, hein, on sait pas. Hein.
Je crois que j'ai jamais eu de shiny, je crois. Dans les cartes Pokémon. Ou peut-être une, je sais plus. Code blanc, je crois que code blanc, c'est qu'il y a des chances qu'on n'aura pas de rare. Et les codes noirs, je crois qu'il y a des chances qu'on a une rare. Mais là, comme c'est code blanc, il n'y a pas de chance. Donc là, le petit code online. Voilà, tac, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est offert par la maison. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Tac, alors on commence avec Funessir. Mysterbe, Love Disc, Hexadron, Titar, Énergie Feu, Machopper, Portail Mirage, Blanalis. Meletica un peu comme une reverse. Et en rat, nous avons Guirlande. Ok. Bon. Allez, dernier régime perdu. Tac. Donc, quand c'est code blanc, ça veut dire que on n'a pas de chance d'avoir une rare. Et quand c'est code noir, on a la chance d'avoir une rare. Donc, ah, code blanc encore. Code blanc, bon bah. On n'aura pas de rare. Hein. Hop. Voilà le petit code. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Tac. Alors, nous avons Rhinocorne. Capuma. Roselia. Mucuscule. Medetica. Énergie Combat. Tritosaur. Il y a les deux. Hein. Il y a les deux. Océan et je sais plus quoi. Voilà, avec les deux petits sans-copies. Smarsus, ah oui, c'est dans Jean Arcus. Charmina, nous avons Lipoutou, un peu comme une reverse. Et en rare, nous avons Migalos. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Hop. Tac, et nous avons l'évolution ici. Hop, hop, voilà. Voilà, bon. Bon, on n'a pas eu de chance dans ces pioches, dans Point Fusion et dans Origine Perdue. Malheureusement, pas eu de chance. On met un petit élastoc. Tac. On n'aura pas eu de chance. On va voir si on va en avoir dans les Zéniths Suprêmes. Hop. Voilà, tac. Ok. Ok. Voilà, comme ça on sait que là, c'est origine perdue. Malheureusement, les origines, on les a pas encore trouvées. Ils sont perdus, hein. Oh là là. J'en parle plus de moi. Alors. Du coup. Maintenant. On va s'ouvrir. Hop. Donc ce pack Zénith Suprême. Voilà, c'est dernière. Pour l'instant, c'est la dernière carte que j'ai en Zénith Suprême. On a ouvert l'autre jour avec les trois box. Et là, maintenant, on a 4 boosters dans le pack. Donc c'est parti. Les deux go. Ok, donc ça s'ouvre comme ça. Ok. On va ouvrir sur le côté. Voilà. Hop, ok. Tac, on met ça là pour l'instant. Et regardez. Tac. Allez. Je crois que la grosse carte, ils appellent ça une carte jumbo, je crois. Donc c'est parti. Hop. Ok. Hop. Voilà. On a les petites cartes là. Voilà. Tac. Hop. Hop. Regardez-moi cette merveille là. Régidrago holographique. Et Régigigas en V. Régigigas, moi. Régiliquide, pardon. Excusez-moi.
en foulard, ouais. Trop belle. Et la carte Jumbo. Jumbo, là j'ai les kits V. Pareil, le graphique qui est magnifique. Trop, trop, trop belle. Hop, on va les mettre avec les Zenith Supreme qui est là. Tac. Donc on va mettre Regidrago ici. Hop. Et Regigigas en V. Ici. Regiliquide. Pourquoi je dis Regigigas, moi? N'importe quoi. C'est Regiliquide. Oh là là, Regiliquide V. C'est pas Regigigas, c'est Regiliquide. Oh non mais. Non mais non mais. Hein. Dis donc. Hop, ok. Donc la carte Jumbo. Hein. La carte Jumbo que on va la mettre là. Et bien sûr, là, on a les 4 boosters des Zenith Supreme. Hop là. Avec le petit code online. Voilà. Tac. Ok. Et voilà. Tac. On met ça là. Et on a les 4 boosters des Zenith Supreme. Voilà. Donc on va voir si on a de la chance ou pas. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ils sont tous des... je sais plus comment il s'appelle. je sais plus comment il s'appelle. Mince. Je sais plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et qu'on va le retrouver dans les cartes. Je sais pas. Mais... Je sais plus, je savais. Zamazenta. Voilà, c'est tous des Zamazenta. Zasson, c'est autre, je crois. Donc voilà. Hop. Donc, je crois que les codes blancs et les codes noirs, ça marche aussi dans les Zenith Supreme. Donc, si c'est le cas, là on a un code noir. On a un code noir, donc on aura plus de chances d'avoir une rare. Tac, donc le petit code online. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah. Parti, on commence avec Lixi. Voilà. Pyrunil. Misterbe. Otaria. Potion. Énergie métal. Hyperbole. Malamandre. Terraclope. Et waouh, Mewtwo Star. Oh, mais elle est trop belle. Mewtwo Star. Wesh. Waouh. En full art. Oh, mais elle est trop belle. Attends, mais normalement c'était censé être la rare, donc j'ai mal fait le truc. Et là, on a 0. Oh, ouais, j'ai mal fait le truc. Normalement c'était censé... Normalement c'était censé être comme ça et que je la découpe comme ça, mais bon, pas grave. Oh, mais elle est trop belle, papa, papa, papa. Wow, regardez plus près les gars. Wow, elle est magnifique. Elle est magnifique. Sous pochette direct. Oh, elle est trop belle. Oh, j'en reviens pas. Wow, elle est trop trop belle. Oh. On est tombé sur une pépite là. Papa, papa, papa. Ah, je suis choqué. Faut que ça continue comme ça les gars. Code noir, code noir. Faut lui code noir là. Code noir, code noir. Là. Encore un code noir, c'est bon signe ça. Oulala. Ça, c'est bon signe. Hop. Voilà. Tac. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Allez, on commence avec Venalg, Moumouton, Galvaran, Pan d'Espiègle, Échange, Énergie électrique, Aspirateur perdu, Luxio, Trou Brother, Otaria, un peu comme une reverse, et on va, nous avons... Énergie combat. Oh, Nolo.
Oh, mais elle est trop belle! Elle est trop belle! Je combat en holo. Wow! Ah, elle est magnifique! Elle est magnifique! Franchement, ouais. Tac! Ouais, j'avoue, elle est trop belle là. Elle est trop trop belle. Tac! Ok, bam. Donc là, on peut les mélanger, hein, vu que c'est les mêmes séries. Donc, il n'y a pas de souci, on peut les mélanger. Il reste deux boosters de Zénith Suprême. Donc, c'est parti, on y va, let's go. Hop. Hop. Tac, encore un code noir. Voilà. Le code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Allez, on commence avec Chakripan. Love Disc. Pijako. Yanma. Scalpion. Énergie Feu. Lampérois. Ball, Girafarig. Oh, Deoxys, point de fusion, point de finale, 1000 points. Wow, j'ai mal fait le truc. Normalement, ça aurait dû être la rare. Normalement, je sais pas comment je me débrouille pour soit avant la rare, mais bon. Et après, l'autre, c'est oh, wow, mais si, en rare, énergie électrique. Oh, énergie électrique. En holo. Oh, mais j'ai deux belles pioches là. Regardez. Regardez-moi ça. Wow, mais choqué. Papa. Oh là là, mais c'est quoi cette pioche, les gars? C'est quoi cette pioche de malade? Et à partir de là, les gars, ça a commencé de là. Regardez, tout ça là. La Mew, énergie combat holographique là, énergie électrique. Et là, le Deoxys. Oh là 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 là. Papa. On a plus de chance dans les Zénith Suprêmes là, les gars. Là, dans l'origine perdue et point de fusion, on a peu de chance, mais dans les Zénith Suprêmes. C'est quelque chose, hein. Allez, dernier booster. Faut croire à la chance. Jusqu'au bout, peut-être qu'on aura encore de la chance au dernier booster. Allez. Allez, on y croit. Il faut y croire, les gars. Faut y croire. Allez. Allez. On y croit. Attention, let's go. C'est encore un code noir. On n'a que des codes noirs. C'est cool. Oh. Le petit code. Allez. 1, 2, 3. 4, 1, 2. Allez, on est parti. On commence avec Itourmi. On commence avec Échange. 9. Love Disc. Imolga. Encore une énergie feu. Super bonbon. Luxio. Lampérois encore. Galekid. Un peu comme une reverse. Et Enra. Nous avons un Yanma. Bon. Ouais, c'est bon. On ne va pas cracher dessus. On a eu des bonnes cartes quand même. On a eu des très très bonnes cartes. Voilà quoi. Voilà. Donc les, on va regarder. Il y a un peu comme une reverse aussi. On va les mettre aussi là. Tac. Dans les pochettes. Tac. Hop. À l'arrière. Bam. Et hop. Voilà. Comme ça, là, on a Zénith Suprême. Que je vais mettre. Que je vais aussi mettre le sachet là-dedans. Pour bien voir que ça fait partie des Zénith Suprême. Quoique, non, en vrai. Ouais, je vais pas mettre parce que. En haut, dans ma chambre, j'ai déjà.
bah, une pochette comme ça, que dans la pochette j'ai jamais j'ai mis un paquet de un plastique comme ça de Zenith Supreme dedans, pour dire que c'est Zenith Supreme. Donc ça je mets derrière pour que voilà pour que la première, que ça aille avec la première page et que genre, c'est Zenith Supreme. Alors là on a eu des belles cartes. Bon, avec Régis Drago, bon ça on l'a eu avec le pack. Régis Gigas en V. Voilà. Pourquoi Régis Gigas? Non, c'est Régis Liquide. Oh, mais qu'est-ce que j'ai avec Régis Gigas, moi? N'importe quoi, c'est Régis Liquide en V, pardon. Donc ça, on les a eu facilement. Hein, voilà. Mais après, dans les boosters, Mewtwo, V-Star, Énergie Combat, Holographique, Énergie Éclair, Holographique, la Deoxys Point de Fusion Finale, 1000 points. C'est un truc de ouf. C'est quoi ces pioches de malade? C'est quoi ces pioches de malade, les gars? Ah, franchement, c'est cool. Ah, je suis content. Là, je suis refait. Je suis refait. On va prendre un Elastoc. Tac. Bam, bam. Donc, voilà. Hop, hop. On laisse toi qu'on va prendre ça. Voilà. Tac. Hop, hop, hop. Voilà. Hop là. Voilà. Et on va prendre les boosters. Voilà, point de fusion et origine perdue qui sont là. Voilà, on va les mettre là, ici, avec les cartes rares ici. Bon, ok, et la petite, ouais, j'ai oublié, la petite carte jumbo aussi qui est là. Qu'on va mettre, attendez, hop, là je recule un peu, et qu'on va mettre ici, petite carte jumbo, à peu près ici là, voilà. Bon, ça cache un peu les cartes, mais bon, c'est pas grave. Tac, voilà. Voilà, voilà les gars, pour cette magnifique ouverture de Zenith Supreme, et la petite box Motisma, la petite box Motisma. On n'a pas trop de chance. On a juste eu Motisma. Ça, c'est Motisma V, je crois. Ouais, Motisma V. Mais ça, on colle dans la box facilement. Mais sinon, après, on n'a pas eu trop de chance. Mais on a eu plus de chance dans les années suivantes. Ça fait super plaisir. On a eu des bonnes cartes. Donc, voilà. Bon, sur ce, la team. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager à fond la vidéo. C'est de nouveaux nouvelles qui arrivent sur la chaîne et que vous voyez que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, vous êtes toujours les bienvenus. Et une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications, surtout parce qu'il n'y a surtout personnalisé aucune. Vous me cliquez sur tout, comme ça, c'est pas bug de notif. Il y a une notif qui est première qui se passe ci et ça sur la chaîne et, c'est pas, et ça vous permet de plus rien loupé. En général, je sors les vidéos le mercredi, samedi, lundi sur la chaîne YouTube. Après, si vous voulez me voir en stream tous les jours, par le passé, je streamais tous les jours sur YouTube, mais maintenant, ça va faire bientôt le 5 août, ça fera 2 ans que je stream sur Twitch. Donc, si vous voulez me voir en stream tous les jours sur Twitch, en description des vidéos et dans mon à propos de chaîne YouTube, il y a le lien de ma chaîne Twitch. Vous cliquez dessus, ça va tout droit à ma page d'accueil de ma chaîne Twitch. Et après, si vous me suivez pas encore, vous cliquez sur le bouton suivre. Et après, il y a peut-être attendre une notif de moi, dès que vous recevrez une notif de moi, il y a une notif que je suis en stream. Et vous pouvez venir me faire un petit coucou sur la chaîne. Il y a vraiment quoi s'amuser sur la chaîne. Il y a c'est pour parler stream, il y a les points de chaîne pour m'envoyer des sons, pour me faire danser. Il y a des stream stickers pour envoyer des stickers sur l'écran et avec des sons. Vous pouvez interagir avec mon youtubeur que je mets sur le côté. Voilà, il y a plein de trucs pour s'amuser. Donc, pour passer un bon moment. Donc voilà.
Et en plus le lien de ma chaîne Twitch en description de mes vidéos et de ma propre chaîne YouTube, vous y trouverez aussi tous mes autres réseaux, donc de Twitter à TikTok, donc tout ce qui est tweet, donc Twitter, Instagram, Snap, Facebook, TikTok. Attendez. Ouais, donc je donc j'ai des Facebook, TikTok, ouais, et pour ceux qui commencent à avoir 15 ans ou plus, Discord. Donc pour ceux qui commencent à avoir 15 ans ou plus, donc il y a le Discord que vous pouvez rejoindre, commencer à être une bonne petite commune. On répond à tout le monde. Et puis voilà, et moi je suis présent sur tous les autres réseaux. Je suis vraiment actif, je réponds à tout le monde, vous pouvez me contacter facilement. Et puis voilà. Et en plus, il y a mes réseaux sociaux dans la description de mes vidéos et dans mon propre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver aussi pendant que je suis en stream, dans le chat sur le côté, il y a le Bizbot de temps en temps qui fait la pub pour mes réseaux. De Twitter jusqu'à Discord. Il y a même mon Epic pour ceux qui veulent m'ajouter sur Fortnite et que moi j'accepte avec grand plaisir, pardon. Donc de temps en temps il y a le Bizbot qui fait mes pubs, mais aussi vous pouvez aussi interagir avec le Nightbot en faisant point exclamation Y pour ma chaîne YouTube, point exclamation R pour que ça fasse de Twitter à TikTok, et point exclamation D pour que ça fasse le Discord, et point exclamation Epic pour que ça fasse le Epic pour Fortnite. Et puis voilà, je vous dis, vous accepte avec grand plaisir, pardon, et on s'amuse ensemble sur Fortnite. Et voilà, et en plus dans le chat, mes réseaux aussi sont, quand vous arrivez sur ma chaîne Twitch, donc sur ma page d'accueil de ma chaîne Twitch, dans ma bio, donc j'ai fait ma description de ma chaîne Twitch, juste en dessous de la description de ma chaîne Twitch il y a mes réseaux sociaux, donc de YouTube à Discord je crois. Donc voilà, donc mes réseaux, vous pouvez pas me louper, ils sont partout sur ma chaîne Twitch, ils sont partout sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis sur ma chaîne YouTube et le lien de ma chaîne Twitch dans ma propre chaîne YouTube et dans la description de ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez venir me retrouver en stream tous les jours, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je crois que j'ai absolument tout dit, j'ai plus rien loupé. C'était Keke. Sur une ouverture d'une box Motisma et le pack Zenith Suprême. Merci d'avoir.